Salut tout le monde, c'est Alexandre Pierre, j'espère que vous allez très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les samouraïs. Alors oui, je sais, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Bon, c'est pas du tout de ma faute. Les cours m'en empêchent vu que c'est à la rentrée. En tout cas, moi, en ce qui concerne ma rentrée, ça s'est bien passé. Moi j'espère en tout cas que c'est bien passé pour vous, vous êtes dans une bonne classe, etc. Bon, on va pas faire les blablas de la rentrée. Alors déjà, tout le monde est déçu de faire la rentrée. Parce que malheureusement, au revoir les vacances. On peut plus faire une grasse matinée. Donc voilà. Donc on va parler un petit peu de Good Game Empire maintenant. On va pas parler de cours tout le temps. Sinon bah on va avoir que des mauvais trucs dans la tête. Et sachant qu'en plus, vu que on est encore le week-end, on va pas en parler. Alors maintenant parlons de Good Game Empire. Alors vu que c'est les samouraïs, du coup, je vais faire une petite mitraillette, on va dire. Quoique non, attendez, je vais juste. Non. Non, non. Je vais juste prendre ceci, voilà. Et du coup, voilà, je vais faire une petite mitraillette sur les samouraïs pour vous, voilà, pour en même temps vous parler des prochaines vidéos qui vont arriver. Parce que voilà, je vous préviens là, il y a une vidéo qui arrivera la semaine prochaine où je ferai l'abîme tout simplement. Parce que oui, l'abîme est là du coup. Et bon, pour l'instant, je préfère pas le faire, je préfère me concentrer sur de bien finir le festival qu'il y a. Bon, le top 250, je vais pas vous cacher. C'est très dur. La semaine du cours qu'il y a eu là, la rentrée malheureusement m'a empêché de rester dans le top 250. Ça fait que je suis sorti. C'est pas perdu. Mais ça va être très dur de le rattraper. Et je sens que dans les derniers jours, ça va être très très dur de vouloir essayer de rester. Alors en attendant que les premières attaques arrivent, parce que sinon j'aurai pas le temps d'en lancer une autre. Je vais juste vous montrer deux petites secondes au niveau du festival combien je suis. Alors là, je suis 276e, ce qui fait quand même 26 places à récupérer. C'est quand même, on va dire, c'est assez long. Donc voilà, je vous montre un petit peu au niveau des samouraïs. Voilà, 3000 points déjà, j'ai pas mal de jetons, etc. Et puis voilà, donc là je vous montre un peu où est-ce que j'en étais niveau des samouraïs. Là je vais refaire quelques offs. Hop hop. Bon, je vais refaire avec 7. Oula, pas 36, non. Ce commandant-là, hop. Hop, hop. Allez, moi ce que je vous dis en tout cas, je vais faire une petite coupure et on se retrouve tout de suite une fois que j'aurai lancé toutes mes attaques. Ouais, bon, voilà, j'ai pas lancé énormément d'attaques, j'en ai lancé que 5 parce que bah malheureusement il y a une attaque là qui va déjà arriver. Et puis tout simplement, je voulais tout lancer du CP. Et puis, voilà, donc j'en ai lancé 5. Bon, je vais pas en envoyer énormément. Bon, c'est pas grave. Donc, petite attaque victoire. Voilà, 29, 25 pertes. Franchement, j'en fais pas beaucoup des pertes. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Je vais espionner pour vous montrer ensuite qu'est-ce qu'il a. Alors, je vais regarder combien de temps arrivent les attaques. 10, 9. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Ça, l'espionnage arrivera après, puis ça laissera le temps de vous montrer à peu près comment il est. Et puis voilà, tout simplement. Hop, donc l'autre attaque est arrivée. Ce que je vais faire, c'est que à partir d'autres avant-postes, je vais lancer des attaques. Allez, on va prendre ceci, on va prendre ça. Hop, hop, hop. Et voilà, ça c'est pas mal. Et voilà. Ça fait une petite attaque en plus. Bon là j'attaque pas du même CP, mais c'est pas grave. Alors voilà, comme ça, vous regardez un peu comment il est. Donc en fait il est franchement pas mal. Alors pourquoi je fais si peu de pertes? Tout simplement, parce qu'en fait il a tellement de. En fait il a beaucoup plus de soldats à distance sur le mur, sur le flanc droit justement. Donc bah, j'ai juste à mettre des mantelets pour enlever leur force à distance. Comme ça, dans la cour, il n'y a que des soldats à mêlée. Et pour contrer les soldats à mêlée, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Bah, des soldats à distance. Logique. Et du coup, c'est pour ça que je fais bah, moins de pertes que si j'attaquerais sur l'autre flanc. Si j'attaquerais par exemple sur ce flanc-là, je ferais plus de pertes. Parce que dans la cour, il y aura plus de soldats à distance. Voilà, petit tuto, même si je pense que pas mal d'entre vous savaient déjà. Après, peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas, donc voilà, ça vous fait quelque chose en plus. Enfin, un petit tuto en plus. Puis voilà. Hop. Combien de temps?
29 secondes. Je vais voir si j'aurai le temps. Pire, ce que je vais faire là, c'est que je ne vais pas s'y aller. Voilà, pouf, c'est bon. J'ai réussi à envoyer donc 4. Là, je suis un passe-temps de 24 heures. J'utilise pas 124 heures là parce que je sais pas du tout et je sais que c'est assez serré niveau des trucs, enfin niveau des, voilà, des attaques qui arrivent. Donc là, ça va, je suis tranquille. Hop. Là, ce que je vais faire en attendant, tiens, on va se relancer deux attaques. Hein. Bon, ça va pas trop se gêner. Ah, le but c'est de faire le plus de points possible au niveau des samouraïs. Malgré qu'il y ait les cours, je vais essayer au moins de finir mon tableau samouraï. Je pense que c'est un truc qui reste quand même pas mal. Enfin, finir mon tableau, c'est pas mal du tout, donc voilà. Le truc que je vais bientôt finir en plus, bon, vous allez dire, ah, tu l'as toujours pas fait. Oui, j'avais toujours pas fait, et je vais le finir que là. Et c'est tout simplement la quête des 32 millions de pièces. Là, je suis à 27 millions, donc j'essaye de tout simplement de gagner quelques pièces. Donc je vais attendre que des soldats reviennent. Quoique non, au pire, je vais attaquer comme ça. On va pas se gêner. Hop. Et ce que je voulais faire, tout simplement, c'était mettre beaucoup de tirelire. Parce que voilà, moi j'achète des tirelire avec bah, les pierres que j'ai en trop sur les samouraïs. Et vu que la pierre c'est la ressource, on va dire que en général on a le plus. Bah, ça fait tout simplement bah, que j'en ai économisé beaucoup. Et du coup, bah, je peux faire des grosses attaques et gagner 160 000 pièces directement. Voilà. Hop, donc ça c'est une petite technique hein, si vous voulez gagner des pièces. Bon, ça j'ai déjà expliqué. Bon après vous faites un peu comme vous voulez pour. Il y a plusieurs techniques pour gagner des pièces. Mais bon voilà. Voilà, donc comme ça, la petite attaque est lancée. La prochaine arrive dans 1 minute 50. Oh, tranquille. Je crois que ici je peux relancer si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, je crois que je peux relancer avec des. Enfin, full tirelire, comme ça, bah, ça fera pas mal de. Pas mal de pièces. Et moi, ce que je vous dis, en tout cas, ça se retrouve tout de suite pour bah, les recherches des attaques. Alors, là, une petite attaque vient d'arriver. Bon, je l'ai pris un tout petit peu trop tard parce que j'étais en train de le festival. Si j'avais gagné des places, tout simplement. Alors là, il reste 20 secondes, donc je vais vous montrer. J'ai gagné quelques places, j'ai été assez content. Là, je suis pas, j'ai été 276e avant le début de la vidéo, si je dis pas de bêtises. Là, 273e, bon. Mais je viens de vous dire, c'est 3 places. Et ça va jouer vraiment à à rien du tout pour le top 250. Donc c'est pour ça que chaque place que je gagne, je suis vraiment content. Parce que en plus, là, il m'en manque assez peu bah, pour revenir dans le top 250. Allez. Hop, une autre attaque. Alors, hop, un passe-temps de 30 minutes. On va regarder les petites offres, le petit résultat. 23 pertes, 25 pertes, 23 pertes. Voilà, donc on peut voir, c'est vraiment peu de pertes, c'est pas beau. Du coup, voilà, hop, des petites offres. Oula, j'ai un peu misclic. Bon, c'est pas grave. Alors là, allez, j'attends l'autre attaque. Gros blanc. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est. Hop, du coup. Voilà. C'est fait. 1 minute 25, la dernière attaque arrivera tranquille. Et du coup, la dernière attaque sur les samouraïs, voilà, est arrivée. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai fait moins de 30 pertes sur chaque de mes attaques. J'ai fait environ entre 20 et 25 pertes, donc c'est franchement facile. Donc c'est la fin de cette petite vidéo sur les samouraïs. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait
pour être au compte et